Allez, nous sommes repartis. Toujours sur Red Dead Redemption 2, exactement là où on s'était arrêté. Dans la continuité de la rediffusion précédente, nous sommes toujours en live sur Twitch. Et donc, on va aller ici. Vers la lettre. Je crois que c'est la lettre P. Il y avait un. Alors, est-ce que c'est dans le jeu qu'il y a un mec qui s'appelle Pearson? Starve to death up here, Mr. Morgan. Oh là là, c'était bien ça. C'était bien ça. We're okay. We have a few cans of food and a Lui, rabbit. c'est le For cuistot what? 10, 12 de la bande. people? Et c'est là qu'on va les chasser. When I was in the Navy, I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days, and you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Allez, Arthur. Allons-y. Allons chasser de l'orque. Yeah. You take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Et on récupère l'arc. And we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Allez, let's go. Suivons Charles. Alors l'arc. Ah putain, j'ai pas accès là. Non, pas encore. Are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad. Allez, tu peux avancer un peu plus vite, s'il te plaît. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. Et on va aller en fait près d'une petite rivière et je vous disais tout à l'heure en fait ça me faisait penser à l'endroit où on était. Et je crois que c'est exactement cet endroit. Hein. Je crois que c'était vraiment ici qu'on était. Ah voilà. L'arc. Vous voyez, le lien avec le cheval a été renforcé. Et je crois du coup ça lui permet d'être plus endurant. Etc. etc. Si je dis pas de bêtises. Encore ces petites cinématiques à cheval. Ces petits thèmes musicaux. Je crois que ça va être une biche qu'on va avoir. Est-ce que tu as trouvé quelque chose, l'ami? Je crois qu'on va continuer de descendre un peu et on la verra sur la droite.
No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Du coup, c'est peut-être mieux d'y aller sans cheval, non? On va repartir vers la gauche. Hey, stop here a second. I see something. Easy. Montre-moi, qu'est-ce que tu vois? Ah oui. How can you tell? Comment ça, approchez-vous de votre cheval? Ah merde, du coup je l'ai pas pris, d'accord, ok. Autant pour moi. Du coup, tac tac. Puis à la limite on va prendre ça aussi, même si on aura besoin juste de l'arc. Hop, voilà. Chasser une biche. Alors je sais plus où est-ce qu'elle est, on va essayer de suivre la trace. Ah putain, il y a ça. Ok. Ouais, ça va. On a le temps. Ouais, voilà. Animal inconnu. Et du coup, quand on va voir l'animal, on aura la possibilité de voir. Ah bah, il est là-bas. La biche est de ce côté-ci. Bah, j'aurais pu avancer quand même un peu. Hein. Je suis pas obligé de courir comme un dératé, mais on aurait pu. Regardez là-bas. Putain, regardez la couche de neige qui est ici. Attends, parce que normalement on peut l'étudier. Bon, on l'a tué du premier coup, mais en fait si on vise mal la tête et qu'on vise le... Oh putain, merde. R3. Putain, oui, d'accord, il y en a une là-bas. Est-ce qu'on peut retirer tout de suite ce qu'on a? Ah non. Bon, il y en a une là-bas. Ah putain, ils sont deux. Ok. Merde. Je crois qu'on l'a juste touché là, non? Je sais même pas si on l'a touché en vrai. Je crois qu'on aurait eu un petit message. Ouais, bon, dans tous les cas, c'est barré. Ok. Prendre la biche. Bon, du coup, on a bien chassé. Donc, je pourrais pas vous montrer sur ce coup-là comment ça se passe quand vous tirez vraiment, quand vous blessez en fait un animal et qu'il est à l'agonie et qu'il va commencer à s'arrêter. En fait, il va vous regarder droit dans les yeux et. Enfin, moi, je me souviens en tout cas pour ce passage-là du jeu, pour cette première mission. Je me souviens que, alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième biche, mais je m'étais raté, j'avais pas tiré dans la tête. Et du coup, elle avait continué de courir. Et du coup, j'ai été obligé de... Enfin, je l'avais suivi. Et à un moment donné, bah, elle s'arrête. Elle est trop épuisée et puis elle peut plus courir tout simplement. Et j'ai encore l'image en tête pour vous dire. Bon, allez.
J'ai encore l'image en tête de la biche qui tourne la tête vers moi, qui me regarde, et on l'entendait même un petit peu expirer très difficilement, et tu ressentais et t'avais vraiment de la pitié, et du coup tu l'achèves quoi pour abréger ses souffrances. Et c'était quelque chose, pour vous dire que ça m'a marqué, c'est un jeu qui est assez... Enfin, quand j'y ai joué, c'était il y a 6 ans, hein. Et j'ai encore les images et la sensation de... Bah, c'est... Entre guillemets, c'est pas cool de faire ça, mais... Ah non, mais c'est vraiment un passage qui m'avait marqué dans le jeu. Tu veux pas cavaler un peu plus, s'il te plaît? Oh, c'est des corps. C'est un putain d'open world, hein. Faut le rappeler. Si je veux aller en haut de cette montagne, j'y vais là. Enfin, peut-être pas là parce qu'il y a une mission, mais... Je me souviens de ce grand lac, on y est passé tout à l'heure, je crois. Allez, let's go! On a récupéré deux belles biches là. C'est quoi qu'il y a là vers le haut? C'est un caillou? Ouais, c'est un caillou. I suppose we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Regardez ça là. Big gang. Nasty sons of bitches. Watch out. Bear up ahead. Merci, il me semblait. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Ouais, ok. You must be real hungry. Stay well done. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. That's a bad idea. Have you seen the size of it? Bah alors. Du coup, on est obligé de passer par là, donc. Alors, faut calmer le cheval. Il a pris peur. Et du coup, je crois que si on appuie comme un abruti sans arrêt sur L3, on va gagner des points d'amitié avec le cheval. Il y a eu un petit symbole sur la droite. Ah, voyez là. Je sais pas s'il se voit avec la caméra. Ah, il est juste en dessous de la caméra. Après, à la limite, je peux peut-être la déplacer un tout petit peu. Attendez, on va faire un truc. On va mettre ça juste ici. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Allez, go! Excuse-moi, l'ami. Ah merde, tu veux passer. Tu voulais absolument passer à gauche des sapins, pardon. On n'a pas encore accès à la map, si. Ah si, quand même. Ah ouais, mais du coup on voit pas, on a vraiment que cette zone. Et on pourra y retourner bien évidemment plus tard dans le jeu. Là, on est vraiment bloqué ici, on reste vraiment en exode. En exil. Ouais, exode, ça marche aussi. Non, plus exil.
On reste à l'écart de des villes. Dans la montagne. On se fait oublier, comme j'ai dit. Après le casse qu'on avait fait. Qui s'est mal passé. Alors, vivement qu'on ait un cheval quand même un peu plus sympa. Avec un peu plus d'endurance, etc. D'ailleurs, on ira... Bah, je pense que c'est un des trucs qu'on ira faire dès qu'on aura accès à toute la map. On ira récupérer un cheval. Alors, je sais plus... Je crois que c'était ici que je venais en récupérer un. Je sais plus c'était lequel, mais il y en avait plusieurs à récupérer qui étaient cool. Après, je sais qu'on peut en acheter aussi. Mais bon, tant qu'à faire, moi j'aimais bien récupérer mon cheval, l'avoir dompté, un cheval sauvage. Allez, nous sommes de retour avec un petit peu de viande. Ça va nous faire quelques jours, je pense. Après, quoique qu'on est quand même nombreux. Hein. Va falloir rationner les doses. Allez, go. Tiens, l'ami Pearson. Regarde ça. Tiens. Regarde la belle bête. Oh, il y a l'oncle. Ah non, c'est pas l'oncle. Mais si, c'est l'oncle, lui, non? See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Ouais, donc là ils vont nous apprendre pour récupérer la peau, la viande, etc. Encore une fois, l'animation va être la même à chaque fois que vous allez vouloir dépecer chacun des animaux du jeu. Bon, après c'est un peu... accéléré, on va dire. Sell these in pretty much any town, if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting, after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Tough few days. Un plaisir. Vous avez débloqué les défis du grand chasseur pour en savoir plus, consulter votre journal. Quelques jours plus tard. Ah. It's been a bad few weeks. But Dutch being Dutch, he is busy making plans. And Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John.
He's seen me now. What's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate. Sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Allez! On y go. Alright, let's head out. Grand chasseur, rang 1. Magnifique. Regardez ces... Non mais putain. Regardez ces décors. C'est complètement fou ce jeu. Okay, gentlemen. All of you, according to the information so kindly provided to us by the Du coup, alors Red Dead est sorti en... Ah, attendez, attendez, je vais regarder. 2009. J'aurais dit. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, good. I'll take the driver and engineer, then run point. Ah non, 2010. Lenny and Javier, you two take Donc, the ils ont mis. Rockstar a mis 8 ans. Bah, il y a 8 ans entre Red Dead 1 et Red Dead 2. Imaginons, bon, un Red Dead 3, là ils ont annoncé GTA 6, voilà, donc ça ferait, alors 8 ans, ça ferait 2026, on va compter 10 ans, 2028, imaginez, courant 2026-2027, on nous annonce ou on nous montre un trailer Red Dead 3, je serais comme un dingue, et j'étais déjà comme un dingue quand ils ont annoncé le trailer de Red Dead 2. Mais alors un Red Dead 3 sur console next-gen. Craille. Ça serait quelque chose. Mais je crois qu'il n'y a pas de version PS5 qui existe de Red Dead 2. Si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais déjà regardé. Ouais non. Ça n'existe pas. Et là on redescend du coup vers dans la vallée. Oh putain, mais regardez! Je trouve encore ça fou moi. Regardez, on va faire un truc. Calme-toi. Je vais prendre un peu de hauteur. Merde. Bon, on va foutre en l'air la mission, donc on va les rejoindre. Ouais, c'est bon, je suis là, oh là là. Ouais, non mais... Moi, je suis clairement amoureux de ce jeu. Regardez ça. Vous voyez, je vais aller là-bas, tout là-bas au loin. Je peux y aller. Il n'y a pas de souci. Le jeu a prévu. Ça fait partie de la map? Et c'est un jeu PS4, je le rappelle. C'est sorti à peu près en milieu de vie de la PS4.
S'il lui restait encore quelques belles années de devant elle, Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Ah, faut que j'aille le voir, mais en cheval? Je sais pas s'il fallait. Ouais, j'aurais peut-être dû y aller à cheval. Bon, c'est pas grave, on va se dégourdir un peu les jambes. Putain, regardez, c'est des. Ah, je suis désolé, je vais être chiant. Hein. Après, vous avez pas le même rendu que moi. Sur Twitch ou sur YouTube, c'est selon. Mais moi, le rendu que ça donne, c'est quelque chose. Oh merde! J'ai raté. J'ai appuyé sur R2. En fait, je voulais essayer de lui. Ah non, mais c'est. Attendez, c'est R1 pour lui parler. Moi, j'y vais à cheval. Hein. Moi, j'y vais à cheval. C'est L1 pour leur parler. Ah, je sais pas, putain, j'ai appuyé sur R2, j'ai tiré sur le sur le C4. Enfin, C4 ou dynamite, plus dynamite d'ailleurs. Salut! Tu te souviens de moi? Non? Bah, c'est normal, hein. Ah non, c'est L2, putain. Set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil noir sur le bouton noir. Très bien. Tu avais juste besoin de moi pour ça. Ça marche. Hey, salut les gars. Ça fait longtemps. On va se mettre au milieu. Ah, petit crottin. Ah, double crottin. Bravo. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre le bandana. Gentlemen, it's time. Allez, let's go. Sauter sur le train. Ah bah lui il a raté. Pull me
Allez, Lenny. C'est notre pote, Lenny, en plus. Merde. Oh, merde. Allez, viens, viens, viens. Salut! Tu vas bien? Merde! Attendez, mais. Merde! Je me suis trompé de touche. Attendez, mais j'ai pas d'arme? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Descends de là! J'ai dit quoi? Oh putain, le coup de pelle dans la gueule! C'est bon, tout va bien. Mange aïe ça, mon con. Il est où celui qui est là? Là. Eh bah attends, je me rapproche. J'ai retiré le chapeau. Salut mon pote! Excuse-moi pour ton chapeau. Et bim! La cervelle. Vous êtes où les gars là? C'est moi, ils ont balancé de la dynamite. Ah merde, mais c'est mes potes. Je suis con. Ah ah, le train. Le train est à nous. Donnez-nous toutes vos richesses. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas hold up in this last car. Ah shit. What are you boys? Attendez, je récupère 2-3 trucs. Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our. Okay, you asked for it. We ain't five, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. On gâche une munition, les gars. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Okay, ça va faire boom.
Je vous préviens, les gars. Ça va faire boum. Search that train. Donnez-nous tout ce que vous avez. Ah. Moi, je vais aller dans le train, moi. Ah. Montez dans le train. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau? Examiner. Just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Ça a des lettres comme ça, on va en trouver énormément dans le jeu. Prendre, cigare. Montre gousset. Okay. Let's see if we can get this open. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bouteille. Du brandy de qualité. Fouille le tiroir. J'entends une espèce de tic-tac. Cigarette de qualité, de la thune. Oh, il y a un coffre. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Okay, je sais pas ce qu'on a récupéré, une obligation. Attendez, attendez, j'ai pas fini moi. Il y avait rien. Et pourquoi il y a un tic-tac? Moi j'entends un tic-tac. À tout prix là. Ah non, regardez. Il y a encore quelque chose là. Du brandy de qualité. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well, done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de vous là, les gars? Okay. Get on the train, quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on, move. If I hear so much as a footstep. Je voulais pas te buter. Bon, et vous là? Je voulais pas le buter. En fait, ça a mis R2 visé, mais ça a tiré du coup. Parce que oui, R2 c'est tiré. Je sais pas pourquoi il m'a dit. Pourquoi ils m'ont dit ça? Bon, bref. Parce que moi, je commençais à appuyer sur L2. À moins que j'ai mal lu, peut-être. Fouiller un peu. Allez, hop, c'est juste pour dire que. On va retourner tout devant. Putain, regardez le nombre de cadavres qu'il y a ici. Et on va remettre le train en marche. Allez, c'est nickel. Amusez-vous bien, hein. Je sais pas où vous allez, je sais pas où vous allez vous arrêter, mais... Voici en route.
vers de nouvelles aventures dans votre train. Bon, vous avez perdu un de vos potes. Je suis désolé. Le coup est parti tout seul, comme on pourrait dire. C'était absolument pas dans... Je voulais vous laisser tous les trois tranquilles, mais... Ah, du coup, on se barre d'ici, ça y est. We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be c'est là qu'on va aller, ouais. There, no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Oh, je me souviens de cette musique. C'est fou parce que je suis quasiment sûr que cette musique on l'entend que au début du jeu, qu'à ce moment-là. Et pourtant je m'en souviens, comme c'était hier. Et du coup, ouais, on est en route vers un nouveau campement. On quitte la montagne. On va tranquillement se diriger vers un endroit plus sympa, plus accueillant. Adieu la neige. Je crois qu'on va se mettre dans une espèce de petite... Ah, c'est même pas une petite clairière, mais c'est un petit peu dans une petite forêt. Près d'un... Alors, c'est un lac ou je sais plus ce que c'est exactement. Oh, regardez. Je me souviens de cet endroit avec la cascade, là. Ah, je suis désolé, hein, mais... On a perdu la roue. Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Pick the wheel up. C'est bon, ça a l'air de tenir. You ain't so useless after all. Not quite. On resserre un petit peu. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. Ces paysages, bordel. So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. Avec de, il y a de la vie partout en plus, hein, regardez. Il y a des animaux. Il y aura même beaucoup de PNJ qu'on pourra croiser sur la route qui vont nous
Alors soit il y en a certains qui vont juste nous parler, ou alors il y en a d'autres qui ça va déclencher des espèces de petits événements aléatoires. J'en dis pas plus. Eh, tu veux bien, vous voulez bien avancer un tout petit peu plus vite les chevaux là? Ouais, je sais pas si on avance vraiment plus vite là, mais c'est pas grave. Ok, on a l'air quand même d'avoir un peu de route parce que je me... Ah, le lapin! Attention! Attention à toi, l'ami. Pareil, putain, il y a tous les oiseaux aussi. Tous les oiseaux à identifier. Oh, j'en ai passé des heures. De toute façon, c'est simple. Quand j'ai regardé, j'étais à 230 heures, je crois, sur le jeu. C'est quand même pas rien. Hein. Je me souviens plus en combien de temps, par contre, j'avais terminé l'histoire. Mais j'avais vraiment, vraiment, vraiment pris mon temps. J'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes annexes. Enfin, j'avais quasiment fait tout ce qui était possible de faire sur le jeu. Oh, ce sont des canards, ça. Ouais, non, mais regardez ça, là. Ah, je sais pas. Alors, effectivement, peut-être qu'avec les consoles plus récentes, ça n'a pas le même impact. Mais moi, de mon côté, alors clairement, j'irai pas jusqu'à dire que ça aurait pu être un jeu PS5. Mais quand on remet en contexte que c'est un jeu PS4, un jeu monde ouvert aussi fourni que ça, je me souviens de ces grosses falaises. Et je crois qu'on va aller de l'autre côté par là. Non? Ah non, pas du tout. J'essaie en fait de me situer par rapport à Valentine. Je sais plus où on est par rapport à la ville. Là, j'ai du mal un peu à me situer. Ou alors, on va passer à côté de Valentine qui serait là-haut. Je me souviens plus. Ah, on part à droite là. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend le relais. Du ginseng et du millefeuille. Très bien. Ah bah là voilà, là on avance. Attendez, on est où là? Ah, attendez, je crois voir où est-ce qu'on est. Je crois qu'on va partir vers la droite et on y sera. Ouais, c'est ça. Ok, donc, alors, de mémoire, là-bas, il y a Valentine. Oui, c'est un petit peu le sous-bois. Et on va se mettre tout au bout. Ah non, là, c'est le spot où on est en hauteur. Donc... Mais si, je crois que c'est par là qu'il y a Valentine. Putain, merde. Je regarde absolument pas où je vais. C'est plus tard où on sera près du grand lac, là. Là, on est en hauteur encore. Mais la vue qu'on va avoir d'ici, oh là là. So,
Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named a Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now, the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Nous voici installés, du coup, non loin de Valentine. Et on est au chapitre 2. Alors le chapitre 1, c'est vraiment le prologue. Hein. Et on a mis, on a mis 2 heures à faire le prologue. Donc, vous voyez, quand je vous disais, c'est un jeu qui prend son temps. Un prologue de 2 heures, ça annonce quand même du lourd pour la suite. Hein. Regardez cette vue qu'on a, avec les montagnes en fond. Pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Et nous voici, je crois qu'à partir de maintenant, on est vraiment lâché dans le jeu. Et du coup, on peut discuter avec tout le monde. Oh, on a eu de l'or. On a eu de l'or sur la dernière. Ah bah là aussi.
Eh oui, il y en a certains. Après avoir arrêté le train, éliminé les gardes en moins d'une minute trente, subissez aucun dégât pendant la fusillade, 10 tirs dans la tête, terminé la mission sans utiliser d'objet de soin. Ah oui, j'ai utilisé. Mais non, mais pourquoi j'ai utilisé un truc? Ah, mais je crois que le jeu me l'a demandé. Si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Donc ouais, il y a plein de, il va y avoir plein de quêtes secondaires, de missions un petit peu à faire partout. Là, voilà, c'est la, c'est le pot commun pour le clan. T'as perdu ton chapeau ? You always kept it. And I ain't losing it now. Il prend son cigare. Et du coup, ouais, si on regarde un petit peu, si on est attentif, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça hein, sur les GTA et même sur Red Dead. Mais si on est un petit peu attentif à tout ce qui se passe autour de nous, chacun a sa petite routine. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? On va prendre un bol de ragoût, tiens. On va manger un peu. Tous les jours, Pearson prépare du ragoût. Et ben voilà. Je crois qu'on va pouvoir discuter avec elle. Regardez. On a notre assiette. Et on peut même la provoquer. Attends-moi. Oh, étudie. Ah non. Alors, Abigail, du coup, c'est la femme. Ou plutôt la compagne. Attends. Ah, voilà. C'est bon. C'est la compagne de John Marston. Non, si Pearson que je veux parler. Allez, mange. Hop là. Par contre, encore une fois, l'assiette, on balance ça par terre. Et vous voyez, l'assiette, elle est par terre. Et la fourchette, la cuillère, elle est là. Et donc lui, vous voyez, il va faire son... Il va faire son petit... sa petite routine. Il prépare de la viande. Et si on regarde, on peut le regarder plusieurs minutes. Hein. Il va faire son... Oh, il y a des crackers là. Je te pique ça. Vous voyez, regardez. Hop, il va prendre un peu... Ah non, j'allais arriver à prendre un peu de sel. Non, en fait, il a mis sa viande dans du sel. Est-ce que le point noir qu'il y a là... Ah, c'est pour couper du bois. Je vais vous aider à couper un peu de bois pour le feu. Je pense que ça sert pas à grand chose, hein, mais. Ah, je vais vous couper deux bûches, mais juste deux. Hein. On va pas non plus, abuser. Ah, voilà, j'ai fait ma corvée du jour. Allez hop. Et du coup, ouais, nous voici. Alors dans le camp, ouais, on peut pas... Voilà, là, quand on était vraiment dans le camp, on pouvait pas courir. Mais voilà. Voilà où nous sommes. Et du coup, alors, par... Attendez, j'essaie de me repérer. Je dirais par là-bas. Par là-bas, il y aurait Valentine. Et regardez ça. Regardez cette vue-là, avec les montagnes en fond, là. C'est superbe. C'est superbe. Et c'est tellement superbe qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je voulais arriver au premier camp. Au premier vrai camp. Du coup, nous y sommes. Et du coup, bah, on reprendra la prochaine fois. Avec un grand plaisir. Que dire de plus. Bon, et bien écoutez, comme j'ai dit, on s'arrête ici. Du coup, merci à ceux qui sont passés sur le live. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, passez une bonne fin de soirée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !